Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à vous. Donc, on va faire comme toujours quatre cartes. Donc, réfléchissez par rapport à votre homme. Vous pouvez choisir un, deux, trois ou quatre hommes. Et on va regarder première carte, deuxième carte. Troisième carte et quatrième carte. Choisissez. Aujourd'hui, on fait le tirage avec de nouvelles cartes. J'adore, elles sont très, très belles. C'est tarot. Tarot des enchanteurs. Comme ça, mais c'est basé sur Rider-Waite. Donc, si vous connaissez la théorie, et vous savez faire le tirage avec Rider-Waite. Après, vous pouvez utiliser toutes les cartes. Pour moi, c'est comme les petites jouettes. Et moi, j'adore acheter les cartes et après regarder les images. Mais quand même, Rider-Waite, c'est la base. Et donc, si vous voulez apprendre à lire les cartes, je vous explique comment moi, je tire les cartes depuis 8 ans, chaque jour, avec des consultations. Et je vous donne des conseils comment le faire. Il y a des vidéos où j'explique chaque carte. Parce que quand, par exemple, vous achetez les cartes ou vous regardez les significations sur Internet, c'est comme oui, capacité, nanana, blocage, quelque chose. Et après, qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez interpréter quand vous voulez? Comment? Et bien sûr que pourquoi vous ne pouvez pas lire le tirage? Pourquoi vous dites que non, les cartes ne disent pas la vérité? Les cartes disent la vérité, mais il faut comprendre. Et ici, il faut savoir les significations. C'est pour ça que je vous donne les cours en vidéo où j'explique chaque carte. Les vidéos sont enregistrées pour vous. En plus, il y a les vidéos enregistrées avec la pratique. Et il y a aussi inclus les consultations avec moi en ligne ou pendant des heures, quelques heures qui inclut. On fait les pratiques ensemble et je vous enseigne comment moi je fais. Je vous corrige vos erreurs. Je vous explique qu'est-ce qu'il faut faire, comment il vaut mieux. Et je vous corrige aussi vos tirages par WhatsApp. En plus, si vous voulez savoir plus par rapport comment tirer les cartes et avoir les connaissances, comment le faire vraiment. Pas comme une carte, il faut mettre ici, deuxième carte ici, troisième ici, 27e ici. Non, ça c'est pas les vrais tirages. Ce sont pas les vrais tirages. Si vous voulez vraiment tirer les cartes, vous pouvez m'écrire un message, vous pouvez me poser vos questions sur WhatsApp, je vais vous expliquer comment vous pouvez les apprendre ou si vous avez des questions par rapport les vidéos et tout ça aussi, je vais vous répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Donc, et on va regarder qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils ressentent. Personnellement, je regarde toujours avec le tarot de magie sexuelle, j'adore, ça j'adore, je regarde depuis, je pense que 8 ans, 8 ans aussi, chaque jour. J'utilise ces cartes. Aussi, vous pouvez trouver les vidéos avec des explications, des tirages, des explications, les pratiques sur mon site. Donc, on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'il pense ici? La première carte. Oh, il veut cacher si il veut cacher quelque information de vous. Qu'est-ce qu'il veut cacher ici? En fait, il est très jaloux ici. Il est très jaloux. Il pense que vous pouvez vous pouvez réussir et quitter, le quitter. Ce que vous avez plus de succès, ce que vous êtes plus belle, ce que
Vous pouvez réussir sans lui, après partir. Donc, s'il se sent pas bon, s'il se sent pas fort à côté de vous, il pense que quand même, il y a quelques d'autres hommes qui sont à côté de vous. Donc, quand même, elle est jalouse. Il pense que vous pouvez bien gagner, ce que vous pouvez régler votre vie vous-même, si c'est que vous n'avez pas besoin de lui. Mais quand même, il vous voit ici comme l'impératrice. Elle comprend que quand même, vous êtes une femme magnifique, vraiment très jolie, avec le statut, ce que vous pouvez donner des bons conseils, ce que vous pouvez calmer. C'est qu'il se sent très très bien à côté de vous ici. En plus, il voit qu'il aime beaucoup, vous savez, comment vous pouvez rire, comment vous pouvez dire quelques blagues. Il comprend que vous profitez de la vie. Et lui, il comprend qu'il est compétitif à côté de vous. C'est que, oui, il y a beaucoup de peur ici, mais qu'est-ce que tu as peur? Elle a peur d'approcher, elle a peur de prendre les responsabilités ici. Donc ici, elle pense que c'est mieux un peu de mettre la situation en stagnation. Parce qu'elle comprend que vous êtes tellement bon dans les négociations, dans les relations. Ce que ici, vous pouvez trouver les solutions à toutes les questions et ce que vous pouvez même... D'être ami même avec un dragon. Mais quand même, il a beaucoup de rêves par rapport à vous. Elle peut regarder vos photos ou votre statut ici, quand même. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Pour l'instant, elle n'est pas prête d'avoir, par exemple, la vie conjugale avec vous. Pourquoi? C'est comme il est bloqué ici. Ça peut être blocage téléphonique, banal, ce que vous pouvez le bloquer, ou c'est que lui, il pense que ici, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Non, parce qu'il pense que non, mais je suis un empereur ici. Bon, il y a beaucoup d'ego quand même, parce qu'il a peur de, vous savez, si vous dites quelque chose, si il commence à vous proposer quelque chose, vous pouvez dire non, c'est pas pour moi, et il peut se sentir minable. Donc il pense que ok, je vais regarder pour l'instant, et pour l'instant donc il ne sait pas même comment construire les relations avec vous ici. Donc pour l'instant il préfère quand même partir et l'éloigner de vous ici dans sa tête. Mais pour l'instant il pense que non, mais ça va pas marcher, je suis pas trop bon. Mais quand même, le sentiment, il y a le sentiment, on va regarder le sentiment. Oui, il vous voit comme une femme, comme si vous avez coupé la connexion avec lui, comme s'il ne reçoit pas l'énergie de vous. Il comprend que tout ce qu'il vous propose, vous n'aimez pas. Il pense que, mais qu'est-ce que je dois faire pour elle? Qu'est-ce que je dois faire? Elle comprend que vous ne donnez pas de confiance et encore une fois, je le dis même dans les sentiments. On va regarder le conseil pour vous ici. Ouais, pour vous, vous savez, ici, c'est quand même, si un homme, il fait rien du tout, pour vous, il ne faut pas même penser de lui. Parce que ici, quand même, ça montre que quand même, vous êtes la reine de bâton ici, là. Vous êtes une femme qui peut se montrer dans le monde, qui peut se montrer autour d'hommes. Et c'est qu'il y a d'autres hommes qui seront contents d'être avec vous. Donc, il ne faut pas être triste, penser par rapport à lui. Quand il sera prêt, il va venir, il va tout faire pour vous. Pour l'instant, pensez à vous-même, à votre vie. Il faut briller, il faut d'être joyeuse, vivre votre vie, profiter de votre vie. Et lui, quand elle voudrait, il va tout faire. Donc, c'était la première carte.
Donc, deuxième carte. Bon, ici, le pauvre, il est en stagnation. Ici, pendu. Il pense que, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi elle est comme ça? Parce qu'il ne veut pas essayer de vous aider, de vous soutenir ici, parce qu'il comprend que bon, si je serai avec elle, donc il faut que je l'aide chaque jour, que je sois avec elle chaque jour. Et qu'est-ce que tu veux ici? Ah, elle veut juste balancer, peut-être même entre les femmes ici. Et même elle peut, il est un peu quand même méchant ici dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il pense que bon, elle a tout dans sa vie. Elle est très forte. Elle est froide même. Donc, elle peut tout faire elle-même. Pourquoi je dois aider? Elle a déjà tout. Pourquoi tu penses comme ça? C'est comme vous avez refusé par rapport à quelque chose ici. Parce que c'est comme il essayait de approcher, il essayait de vous proposer quelque chose. Et vous avez dit, oh non. Mais quand même, il veut quand même vous aider ici. C'est juste que vous devez demander, vous devez, parce qu'il pense qu'il est inutile pour vous ici. Vous devez demander, oui. Et quand vous commencerez à demander d'aide, quand elle commencera vraiment à faire quelque chose pour vous ici, elle comprend que oui, c'est possible d'avoir même les relations conjugales avec vous. Parce qu'en ce moment-là, oui, il n'est pas prêt. Parce que vous postulez comme je suis forte, je peux tout faire moi-même, j'ai pas besoin de toi. Mais non, ici quand même, si vous commencerez à demander, il sera différent ici. Parce que il vous vraiment aime ici. Parce que ici, vous voyez, le cheval est dans l'eau. L'eau, dans les cartes, c'est la signification de l'émotion. Donc, quand on voit ce que quelque chose est dans l'eau, donc, lui, il est dans les émotions. Quand même. Ici, il vous voit comme presque partout, même dans chaque femme, il vous voit. Et vous lui manquez ici, vous lui manquez fort. Mais il faut quand même, de votre côté, faire aussi des efforts. Vous savez, il faut quand même montrer que vous avez besoin de lui. Et pas juste besoin d'aller au restaurant, non, mais quelques aides. Comme ça, et après, vraiment, pas juste dire que, OK, merci, ciao. Non, mais vraiment, waouh, tu es incroyable. Comment tu as pu faire? Personne n'a pu le faire. Comme bravo, comme ça. Pour ce qu'il se sent vraiment grand, un homme fort. Parce qu'il veut se sentir comme ça. Il y a des émotions, il y a attirance fort. Mais vous devez donner la possibilité à faire quelque chose pour vous avant que ce soit si tard. Parce qu'il se souvient beaucoup, il y a beaucoup de souvenirs par rapport à vous. Les sentiments sont très profonds par rapport à vous. Il est attaché ici. Qu'est-ce que vous devez faire quand même? On va demander le conseil. Il faut renouveler les relations parce qu'ici, il y a la mort. Comme avant, les relations ne fonctionneraient pas. Vous devez, disons, réécrire l'histoire ici. Quand même si vous n'êtes pas ensemble en ce moment-là, ici, il y a le diable. Il ne pourrait pas disparaître. Il quand même sera à côté. Ouais. Donc, c'était la deuxième carte. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à votre homme, il y a le tirage express. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport au pire que vous choisissez?
C'est le tirage le plus populaire que je fasse. Je fasse quelques tirages toujours chaque jour. Vous recevez les vidéos avec l'explication pour vous, avec le tirage pour vous, qu'est-ce que votre home bounce ressent et qu'est-ce qu'il va faire. Toutes les descriptions, vous pouvez trouver au-dessous de cette vidéo. Donc, et on continue. Elle vous voit comme quelqu'un qui est indépendante, qui a beaucoup d'énergie, qui est forte, qui est belle, qui est vivante, comme strapative même, comme ça. Il comprend que vous pouvez voyager, vous pouvez tout faire dans votre vie, vous pouvez réaliser vos rêves, vous pouvez tout faire. Vous êtes, il a même peur que elle peut vous perdre, que vous pouvez prendre la décision de partir le lendemain, comme ça. Parce que quand même, les émotions sont très très fortes. Et il est très jaloux, il a peur que vous avez un autre homme. Et ici, quand même, parce qu'il veut, c'est mon frère, il veut même faire quelques cadeaux pour vous, mais il y a quelques blocages ici. Blocage, ça peut être aussi, il y a les peurs. Les peurs, c'est que la première chose, comme c'est le tirage général ici, ici c'est comme s'il est castré. Castré, ça peut être quand aussi il y a blocage. Sur WhatsApp, par exemple. Et donc, il se sent très seul parce qu'il ne peut pas ouvrir la porte ici. Ou quand, banal, vous ne répondez pas ici. Quand même, ici, il y a le diable. Le diable, c'est quand il se sent vraiment attaché à vous. Et il ne peut pas même comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être vous avez fait quelques rituels déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Oui, il comprend que vous êtes une femme avec laquelle il doit rester jusqu'à la mort. C'est que la mort peut vous séparer. Il vous voit aussi comme une femme qui peut s'occuper avec le travail, avec ses hobbies, c'est que on pouvait juste vivre votre vie tranquillement, même vous n'avez pas besoin d'un homme. C'est pas comme vous êtes froide, non, c'est juste que vous avez beaucoup d'intérêt, votre vie est parfaite. Et vous êtes très intéressant pour lui. Et lui, il même vous voit ici comme quelqu'un pour construire les relations pour longtemps. Oui, les intentions par rapport à vous, c'est vraiment vivre avec vous, vous voir toute sa vie ici, quand même, parfait. Quand même, qu'est-ce qu'il ressent? Oui, c'est que vous êtes une femme parfaite ici. Et il veut venir, il veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Mais il est très peur, il a peur ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Parce que quand même, il vous voit comme une femme pour continuer la vie. Mais quand même, ici, pour l'instant, il y a quelques blocages qu'il doit dépasser. Qu'est-ce que vous devez faire? Oh, rien, juste attendre. Rien du tout, juste. Continuez à faire ce que vous faites. En plus, vous savez, ici, même la vie vous propose une autre chance, un autre homme. Donc, ici, quand même, il ne faut pas louper aussi. Parce que, oui, cet homme, peut-être, il est bon. Mais vous aurez aussi quelqu'un d'autre et mieux, même. Donc, lui, vous pouvez laisser de réfléchir. Et quand elle va faire des actions, donc, vous pouvez regarder après comparer.
Donc, c'était la troisième carte. Si vous voulez savoir plus, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi trouver le lien pour le tirage express ou pour vous, je peux faire le tirage avec qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il va faire avec le conseil. Juste pour vous, en plus, qu'est-ce qu'il va faire par rapport au période que vous choisissez. Donc, toute l'information, vous pouvez trouver au-dessous de cette vidéo. Et si vous voulez avoir les consultations en ligne, quand vous pouvez poser des questions en direct, aussi, il y a les consultations de 15 minutes, 30 minutes et 60 minutes. Vous pouvez tout choisir. Il y a les liens au-dessous de cette vidéo. Donc, quatrième carte. Oui, il y a une dépression. Il y a une dépression. Parce qu'il a compris qu'il voulait avoir plusieurs femmes, mais il n'y a pas maintenant. Il se sentit vraiment comme un homme qui gagne, qui vient, qui réussit, qui part, et boum, maintenant il est échoué. Oui, il est échoué, il a compris que bon, il y a un problème, il est perdu. Parce que quand même ici, qu'il y a, en plus, il y a quelques femmes dans sa tête. Ouais. Dans son cœur aussi, il y a. Et maintenant, c'est comme s'il voulait avoir vous deux, il a perdu les deux. Mais quand même, il veut avoir une chance ici. Il veut avoir une chance de quand même vous prouver, c'est que oui, je peux avoir, je peux être avec vous. Il veut vous demander encore de donner une chance d'être avec vous. Mais quand même, pour l'instant, je ne vois pas. C'est qu'il veut construire, par exemple, la vie conjugale avec vous. Et si plutôt, il veut, oui, une chance, mais pour juste vous voir de temps en temps. Pour lui, c'est parfait. C'est très confortable pour lui. Il veut balancer avec les femmes ici. Mais il comprend que quand même, vous ne serez pas d'accord. Vous ne serez pas d'accord, donc quand même il est triste par rapport à celui-là. Oui, il comprend que c'est très difficile à s'entendre avec vous. C'est très difficile de... il pense que s'il va vous dire ce qu'il veut vraiment, vous pouvez envoyer très très loin. Et donc, il y a beaucoup quand même de souvenirs par rapport à vous. Mais il essaie en ce moment-là plus approfondir dans son travail. Je peux pas vous dire qu'il pense 24 sur 24. C'est par rapport à vous, quand même, il essaie, parce que c'est un peu difficile pour lui, cette situation, mais il essaie d'approfondir dans son travail. Qu'est-ce que vous devez faire ici? En fait, vous pouvez aussi ici travailler sur votre cerveau, sur vous pouvez faire les méditations. Vous pouvez aussi augmenter les vibrations. Parce que si c'est comme cancer, quand même avoir des rêves, quand même penser qu'est-ce que vous voulez, mais vraiment en détail, et sentir comment vous pouvez sentir. Quand vous aurez ce que vous voulez, par exemple, si vous voulez être avec lui, comment je vais me sentir? Maintenant, il faut sentir avec votre corps ce que vous êtes déjà avec lui, dans la situation parfaite pour vous. Et comme résultat, vous aurez celui-là, ensemble. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aussi construire les victoires pour construire les relations en couple, il y a les consultations qui consistent de trois consultations quand on construit le vecteur pour avoir ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez augmenter votre salaire deux fois plus.
où vous voulez construire les relations, où vous voulez passer l'entretien. Vous savez, j'avais une semaine avant, on a fait trois consultations, on a travaillé sur le demande, c'est qu'ils ne pouvaient pas acheter une maison parce que pendant quelques années, elle économisait l'argent toujours et elle voulait toujours acheter la maison, mais elle a pensé ce que c'est pas possible, c'est qu'elle peut acheter sa maison pendant dans quelques années. Et donc, on a construit les vecteurs pour avoir cette possibilité. On a enlevé tous les programmes qui bloquent d'avoir la maison et aujourd'hui, elle signe le contrat. Dans une semaine, elle signe un contrat pour acheter sa maison. Comme ça fonctionne votre cerveau. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions par rapport aux consultations psychologiques, des questions de tarot, les cours de tarot, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, je vais vous expliquer tout en détail. Et aussi, on renouvelle les streams le soir où on va regarder vos questions en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.